Installez-vous confortablement pour votre nouvelle séance de relaxation sur AS Minotaur. Et il est tard ce soir, alors où je tourne cette vidéo, il doit être actuellement 2h du mat. J'ai pas réussi à trouver le temps avant pour tourner cette nouvelle vidéo. Mais au moins à cette heure-ci, il n'y a pas un bête de bruit. Je suis juste en compagnie de la cocotte qui n'arrête pas de faire ses ouin ouin habituels. Mais je vous rassure, cela ne va pas nous déranger pour bien nous relaxer ce soir. Je tiens à répondre à quelques questions pour les personnes qui ne savent toujours pas ce que signifie le pourboire ASMR. Eh bien... certains, vous avez répondu à cette question. Le pourboire ASMR représenté par un jeton de poker bleu représente tout simplement le like sur les vidéos ASMR d'AS Minotaur. Donc n'oubliez pas bien entendu le petit pourboire ASMR pour cette séance gratuite comme les autres. Il vous suffira juste un petit like représenté par le pourboire ASMR pour payer cette séance. Entre guillemets. D'ailleurs, pour cette nouvelle séance, je vais goûter mon tout premier riolet aux noix de coco. Ça m'est venu comme ça. J'avais envie de tester cette recette et à voir si je l'ai bien réussi. Oui, je sais, c'est vraiment pas une heure pour déguster un riolet. Mais quand on a envie, le reste, ce n'est que détail. Je ne suis pas du tout le spécialiste de la pâtisserie, ni même des desserts. Mais c'est comme la chimie. Il suffit juste de bien respecter les dosages, les ingrédients, la cuisson, pour obtenir un bon dessert, un bon plat. Bon, alors le premier défaut que je trouve sur mon riolet, c'est que je l'ai laissé... Dans la mauvaise position dans le frigo. Et je l'ai mis trop près du pack de congélation. Alors j'aurais dû le mettre plus proche du pack à légumes, c'est-à-dire à une zone moins froide du frigo. Bon, c'est un petit peu solide, mais après on va commencer à goûter ça. Allez, si vous dégustez un petit dessert, bon appétit. Super bon.
ASMR de ces quatre. Abonnement et on se retrouve mardi pour la prochaine séance.